l'école militaire de ce vendredi 4 août 2023. Ces gens en matière de flagrance en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa Bakongo. Appel en continuation. RP numéro 031-2023. En poste, l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et parti civil République démocratique du Congo contre M. Mwanga Chouchou Izi Edouard. Conseil principal, M. Amali Roy, Alike Robert. Poursuivi pour des faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre. C'est ça qui est en train de dire. L'honorable Mwanga Chouchou compare le Kinshasa Matete. Conjointement avec l'avocat Omar Barroso. Conjointement avec M. L'avocat au barreau de Kinshasa à côté. Félix. Avocat au barreau de Kinshasa à côté. Bien, la haute cour à la SRD, mais entre-temps, il a été, la partie prévenue, Mwanga Chouchou avait formulé la requête consistant à faire identifier les armes par un expert. Et en répondant à cette demande, la haute cour militaire avait assaisi la base de l'industrie centrale va avoir une réquisition à expert, suspendant un peu la question de ce que vous pouvez revenir à celle en rapport avec les armes pour la vider plus fort que tout. Selon le greffier, donc les experts, le ou les experts de la base de l'industrie sont arrivés. Les éléments, les officiers de la base de l'industrie sont-ils dans la salle? Soyez derrière la balle. Merci, veuillez dire. Peut-être aussi, debout la crispin. Grave. Capitaine. Matricule. 170, 88, 16, 534-29. Je suis le chef de pot armement léger, petit calibre. Et l'autre. Je me réponds au nom du capitaine Nouawa Ngongo, je suis de la base aussi centrale. 180, 99, 276, 48, 72. Ainsi, la fonction du ravitailleur et du bataillon de redonnance. Bien. Nous avons la haute cour militaire en tant qu'expert. Et vous allez le faire normalement. Quand vous faites votre rapport écrit, vous allez le faire par écrit, mais comme vous êtes devant la haute cour, mais avant d'en arriver à ce serment, je voulais que M. le rapporteur puisse donner lecture de la réquisition qui a été adressée au commandant de la base de logistique centrale pour que tout le monde puisse s'imprégner de
de la logique qui prévaut à cette histoire. Il a été adressé la réquisition à expert dont la teneur suit. Réquisition à expert. L'an 2023, le deuxième jour du mois d'août, nous, général de brigade Kalalaka Pougou-Martin, président à la haute cour militaire et président de la chambre, examinons le dossier inscrit sous RP numéro 031-23 à charge de M. Mwanga Tchoutchou, Izzy, Edouard et consorts. Nous trouvons dans notre cabinet de travail, 6 au nouveau palais de justice, sur avenue des Bâtonniers à Kinshasa-Gombe. Vu l'instruction de la cause sous RP préqualifiée, oui, la partie prévenue, Mwanga Tchoutchou, dans sa requête sollicitant l'identification par un expert des armes saisies dans le périmètre minier appartenant à la société minière de Bissouzou, SMB en sigle, vu les articles 64, 249, 253 alinéa 4 du code judiciaire militaire et 48 du code pénal, du code de procédure pénale, requérons monsieur le commandant de la base logistique centrale des FRDC au fin de premier tiret, mettre à la disposition de la haute cour militaire un expert en armement en vue d'identifier les armes saisies à Roubaïa dans le périmètre minier de la société minière de Bissouzou et vérifier l'éventuel marquage par l'armée. Deuxième tiret, dresser un rapport écrit à l'issue de ces investigations faites à Kinshasa le 2 août 2023. La réquisition à expert. Comme vous êtes devant la haute cour, le travail que vous allez faire ici, vous allez en faire un rapport sur ça et au terme à la fin duquel vous allez répéter le serment ici. Mais avant d'y arriver, parce que vous êtes là, je vous en donne lecture pour que vous puissiez le faire verbalement avant de le faire par écrit. L'article 64 du Code judiciaire militaire est ainsi libellé. Avant d'accomplir le devoir de leur ministère, les experts prêtent le serment suivant. Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. Chacun à tour de rôle. Je le jure. Moi, je le jure. Je le jure. Ouais. Le moi est reconnu. Voilà, ça va. Donc, le serment, ok? Voilà. La haute cour a besoin de vous. Elle a sollicité votre expertise pour l'éclairer quant à l'identité et au marquage des armes qui sont par devant nous. Vous le faites contradictoirement devant toutes les parties. Il faudra que toutes les parties soient vraiment attentif pour suivre ce qui va se faire. Alors, mais avant d'en arriver là, dites-nous un peu comment est-ce que vous gérez ou vous identifiez les armes de la République, de l'armée, parce que vous n'êtes là que pour les armes appartenant au patrimoine de l'armée et non pour la police et les services. Comment est-ce que ça se fait chez vous à la base de justice centrale? Pour ça, pour ça, l'identification de l'arme, la marque qu'on a dit à l'arme, l'arme, ce qui est et outil, parce que dans la catégorie armée,
Bisogno sono qui cosa unité mon côté tout ça la base de site tout ça na état major général tout ça la unité pour basali engager en front. Alors tant que tu reçois arme le corps oyo il faut toyer parce qu'avec arme oyo et ça les mis et marquage nango il est pour nango ils arrivent à basali ils ont peut-être 31 brigades à part là dans la langue du palais et la langue la question de savoir dans quelle langue il s'exprimerait le mieux pour se faire bien comprendre. Parce que le français, c'est vrai, c'est la langue officielle de communication. Mais quelqu'un peut être limité à mieux s'exprimer en français. Et s'il le faut, peut-être qu'on aura besoin d'un interprète qui lui pose la question de savoir dans quelle est la langue où il peut bien s'exprimer pour se faire bien comprendre, où il est à l'aise. Ok, là, est-ce qu'avec tous ceux qui sont venus du ministère de l'Intérieur, experts, vous êtes appelés pour éclairer la religion de la haute cour, pour mieux l'éclairer, vous voulez vous exprimer dans quelle langue? Là, il faut un interprète. Je voudrais rappeler ici, avec accéder à la demande de la partie prévenue, qui a estimé qu'il était important de faire la traçabilité. Le ministère public qui ne l'a pas appelé estime qu'il serait mieux que ce soit Lingala. Mais nous savons bien que ces gens qui sont venus sont des officiers supérieurs de notre armée. Ou je ne sais pas, moi, sont des officiers, je ne sais pas si c'est un ou supérieur, c'est vous à vous de me le dire. Donc à partir déjà du moment où ils sont des capitaines, nous pensons que la langue française ne peut pas poser un problème. Sinon, on pourrait demander finalement même au ministère public dans quelle langue il se sent à l'aise, finalement lui aussi, de pouvoir requérir. Parce que le doit transmettre ce qu'il connaît de manière correcte. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est vous. C'est oui, la loi dit. La personne qui comparaît dans la langue de son choix. On ne peut pas obliger une personne à comparer dans une langue dans laquelle elle ne veut pas s'exprimer. Et par ailleurs, Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo sont aussi des langues officielles depuis la Conférence nationale souveraine. On a exprimé en Lingala, français avec Lingala, tout le monde a suivi. Honorable, est-ce que vous avez besoin d'un interprète pour comprendre ce qui sera dit ici en Lingala? Traçabilité, il y a un truc qui a mis sur le dégât et maca. Deux qui va armer et son bami. Il y a un catina gouvernement appelé l'armée congolaise. Va armer Oyo et Sengeli et les canamakage. Donc, va couper ça, va marquer arme selon identification nango, collant dans la unité oyoye azali kusale. Donc, ce qui n'a pas ça, na unité, n'est-ce pas dans la police, ou bien dans la cour d'ordre, tant que tu as besoin de marquer ma arme, tu as besoin de l'identification, il y a cour d'ordre. Ce qui est. Haute cour. Merci. Donc, on va prendre la haute cour. Ce qui est basé sur le site central, mais ils allaient au la vidéo qui est là, va marquer en gros la timbre où ils allaient basé sur le site central. Pour la ligne, pour la traçabilité, ici qu'ils allaient au Kélé, à ta et salé du cabot. Va courir vite dans le numéro où ils ont la carte la vidéo qui est la base des données, la serveur central, pour la compter sur les armes où ils allaient à imiter les armes à Bissot, ils allaient au tambour la ligne. Mais ceux qui les amis dans un côté, c'est-à-dire armes Oyo, et les amis dans un côté, ils amis armes Oyo, ils amis armes Oyo, ils amis armes Oyo, police audience.
kobimisa arme moko moko na oyo sezali liboso awa na nzembi na bino kokotala topesi biso topesi loko référence TV ya saisi topesi totali numéro na ye totali soki ezali na markage ndenge outi kolimbola awa ce qui est un marquage au sali service, vous allez bien à base de données. Ce qui est vous avez une unité mine. Si y a ce qui m'a tué, vous allez tout le monde à la vie, vous allez bien à la vie, vous allez bien à la vie. Vous allez bien à les deux experts, parce qu'ils sont venus à deux, Bango Banso, Bar Tala, Mando Kiango, comme ça, mon tour, mon tour a bien exprimé. Hein, maître, ça vous va? Que chacun des deux experts examine l'arme et chacun va donner son opinion, puisqu'ils sont venus à deux. Donc, c'est la réalité. Bien, est-ce que mon général, donc, détruire les pizzas à Awa, tous les numéros à nous. Donc la serveur centrale les alliés qui pas d'abisso. Donc un endroit partir il y a pour l'année pour vérifier que ils ont la unité de l'engue tout ça là pour avoir tout ça un serveur central les serveurs centrales les alliés. Ok. Donc marquage il y a armée aujourd'hui numéro un na numéro un marquage ok il faut dans la base donnée et à l'audience prochaine pour Yenibiso, résultat. Bonsoir, mon général. Bien, on va procéder de cette manière. Azali fusil d'assaut. Calibre naïe Zali 7,62. Vigue 39 mm. Alors, cette arme que je détiens, Ezali peut posséder pas un numéro qui est lisible pour identifier Yango. Numéro, les hommes qui falsifient, qui effacent complètement. Alors, à ce moment-ci, cette arme a perdu complètement son identité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de l'identifier au moyen de son numéro d'immatriculation. Bah, écoutez, numéro d'immatriculation, c'est long. Et ma pièce mobile, grosse ou quoi? Oui. Et comme on marque là, il y a arme, d'accord. En tout cas, on a eu arme, on est comme on marque. C'est côté ici, mais c'est complètement effacé. Docteur, moi je n'ai pas. Quand on a dit ça, ça l'a été, on aura pas de tout, on a pas de passer qui est pour rien. Alors, moi je n'ai pas. Vous êtes au total à la scène. Voyez-vous, je suis avocat. L'Obama Kassi, aujourd'hui, il y a un président qui a envoyé Bango Bazo Monde. Merci, monsieur le président. Nakanissi, Gomoni et Sikanini, O, le Sengra qui m'a dit au numéro Naye Ezala. A qui tu peux voir facilement le numéro des armes Oyo, les années visibles. C'est ça la réponse. C'est qui, Wap,
dans les non identifiés, dans 100 numéros. Il n'y a pas moyen d'identifier le président. La défense d'abord. En basant sur le PV des saisies, de ces arbres. D'abord, le PV des saisies nous parle, si je fais la comptabilité, de 10 arbres. On nous parle de RPG-7, une pièce, PKM, une pièce, AK-47, 8 pièces. Ne serait-il pas mieux pour la Cour de suivre le même ordre? Parce qu'on doit d'abord mettre les PKG, le met à côté, on l'identifie, les PKM, on l'identifie, et puis on passe au 8 AK-47, l'une, donc armes l'une après l'autre. À ce moment-là, nous saurons que nous sommes... Parce que quand nous commençons par AK-47, alors que le PV nous parle de 8, c'est mieux de les grouper tel que le PV les a énumérés et indiqués. Ce n'est qu'une suggestion. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est bon. Et dans la direction à Kano. Ce qui vous a dit, vous signifiez que la discipline va avocat. Merci, monsieur le président. Mon nom qui est au Nassimbe en haut. Les alliés du Poussou n'a pas souvent sur les alliés Awa. Les alliés lancent roquettes. Ma première amour fait un mot poussé. RPG numéro 7. Il y a un mot les alliés de Mondou qui ont les salles du cap à la valise. Mondou qui ont les alliés Awa. Les alliés lancent roquettes. C'est-à-dire lancent projectiles de grandes roquettes. Numéro d'ailleurs, identité d'ailleurs. D'abord, sur le plan Yamakaz, Azali non marqué possède pas le marquage. Deuxièmement, il a le numéro propre de l'industrie. Numéro 1 a eu un qui n'est pas l'industrie. Azali 280 25 37 35 à la fin. La bandeli pour la qui malade. Numéro 280 25, 35, oui, on sait. Armée non marquée. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez 237 hectares, madame? Parce que ici, vous avez 280. Répétez pour la route, madame. C'est pas 30, c'est 8. Mon ingénieur doit être. Armes non marquées. Donc, il y a lieu de réfléchir, ça peut être aussi une erreur de lecture. Mais tous les autres numéros, dont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur 7 chiffres, il y a un chiffre, 3, dans le PV qui est lu ici, 8. Oui, mon général. Verrez mon document. Que ça RPG 7 nous souffre. Oyo Esaïe 1013, le GR. Ils arrivent à PKM, fabriqué par l'ERIS. Numéro 1, vous allez écouter la numéro 9.
pour qui a solo azali marqué. Numéro ya usine et sika et utaki. Est-ce qu'il y a le marquage, oui ou non? Le marquage. Absolument. Bon, marquage, si tu es à Kabawa, on a mis numéro de marquage des alités. Ok, donnez le numéro de l'usine. Numéro, il y a usine. Ils allaient en M80, c'est-à-dire fabriqué en 1980. Ils allaient 28-97-07. Donc, la coquille qu'on a la place à Nani, c'est-à-dire dans la qui vient, ils allient à la Chinois en général, ils allient à la Riste, ils allient Chine de la fabrique qui est KM Oil. Mais ils allient à numéro, mon côté, ils allient à la traçabilité, ils allient à marquage, ils allient à numéro d'usine, ils allient. Est-ce qu'il y a un autre numéro à part celui que tu as vu là? Ok, ils ont un numéro non marqué toujours, mais ils ont une carte qui a pièce naïe. Quel est le numéro? Pièce Oyo, donc il faut changer en gros, parce que la pièce Oyo, tu peux aller être couvert d'alimentation. Donc il faut que l'on ait un mot, la tango a mébé, tu es super couvert d'alimentation, surtout tout ça, il y a un mot pour être à la maison en vie. Numéro il y a Liboso, on a Pessa qui Ezali M80, modèle 80, Ezali 28-97-07. Numéro il y a Mibale, Ezo Senga, Nazaratan la lunette pour Nami sur la maison de la société. 73-30-07. Hein? 76? 70 ou 73 Ok. Non, mais, est-ce que c'est correct? 73 dans la concession, là où Jamali Roy, avec son équipe, montait la garde. Donc, oui. En principe, ils sont intéressés. Non, on ne l'a pas écarté. On ne l'a pas écarté. L'un des conseils de voix, soyez là, mais que vous voyez à tour de rôle. Bien. L'un sur le corps de l'arme et l'autre sur les pièces mobiles. Sur la carcasse et sur le couvercle. Couvercle d'alimentation. Et que le numéro qui est sur le procès verbal de saisi d'objet est celui qui se trouve sur le couvercle. La couvercle d'alimentation. Voilà. Passer à l'arme AK-47. Le numéro est un numéro pour Tessiwana, monsieur le président. Nous avons un couvercle d'alimentation. Numéro Moko, c'est un couvercle d'alimentation. Numéro Miami Balika 67, c'est un couvercle d'alimentation. Nous avons un couvercle d'alimentation. Merci, monsieur le président. Merci, mon général. La qualité est en train de se corriger parce que Bazolo va mingi AK-47. Mais nous sommes allés AK-47. Où est-ce AK-56-1. Brillante. Et Zali, parce que nous avons des armes. Et Zali, AK-47. Donc, qui peut modifier tout ce qui est dans le compte, il y a AK-47. Et Zali, AK-56-1, fabriqué par les Chinois. Ok. Quel est le numéro?
numéro là c'est marqué oui ou non et... ce n'est pas marqué azali ka la numéro de l'origine non marqué numéro de fabrication c'est 171 33 51-4 à la fin. Est-ce que le numéro M. Zalibé? Numéro M. Soussou. Ma couverture d'alimentation, ce qui est d'origine. La couverture des numéros arrêtés, numéro M. Soussou Pays arrêté. Donc, les alis non marqués. Parce que le numéro n'est pas d'origine ici. La pizza, avocat, allez, pembette, la yoana, dans le avocat, M. Soussou Pays. Si à quoi Nicolo, client, AK56, tu restes un client. C'est le PV, ça. Arme suivante. Vous avez dit 171 33 514. Mais ils ont dit le numéro Moussoussou, la couvercle. Au moins, il y a un côté. Il y a un côté. Vous avez vu c'est quel numéro s'il vous plaît? 6430. Il faut regarder partout. Je peux dire quoi? Le substrat sur lequel porte le numéro 6430. Il s'agit d'un couvercle adapté qui n'est pas celui de l'arme de l'usine de fabrication. Notre question est de savoir où peut-on retrouver le numéro. S'il vous plaît, monsieur le président. Non, allez-y. Où peut-on trouver les vrais numéros de série que nous considérons comme l'ID? Le numéro d'identification de cette arme, est-ce sous le couvercle ou sur le corps de l'arme? Dans le cas ici de AK-56 pliante, comme il l'a appelé. Il y a arme. Oyo, il y a un bon abusif. Parce qu'il y a couvercle, il y a capté couvercle, il y a un numéro Moussous. Alors, ici, Kakan, en matière d'armement, est-ce que Batiaka numéro il y a identification combo il y a armoire. Merci mon général. Classe. Et ça m'appelle sa droite classe. Si moi bon, espère. Parti Oul, commandant Aou, Tifawa, Ezali. Non, ne démontez pas. Parti Oul, commandant Aou, Tifawa. Tout bien, il y a une boîte qui lasse. Yango Caracas, wana desika numéro ezalaka. Ce qui est allé d'origine, ndenge ezali asika, a kozwa numéro o ezali awa, a pesi yango pe na couvercle o ezali couvercle ya awa. Le kola ezali awa, koto ezali te, ezali ke ya solo ke ki ko changer, nous huit couvercle mosusu na ka o le couvercle ezo répondre bien te. Donc, et où est-ce que vous avez une usine? Numéro Moko et à la carcasse, et à la couvercle, et à la verrou, et à la même numéro, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque dans l'usage, arme est un problème, il y a pièce mobile, il y a un problème, il y a couvercle, pour changer. Parce que carcasse, c'est l'ossature. Oui. Même il y a arme. Mais carcasse est continue à la carcasse identique, il y a un peu de la carcasse non changeable.
le bas sauvé pour qui vous voulez placer directement parce que Azali Soussou n'a pas de la pièce mobile, pièce de manœuvre, la carte à armes. Mais pour qui vous changez et vous déplacez. Ou en est armé à déplacer. Effectivement, puisque voulez-vous aussi dire pour une bonne compréhension que. Mais pièce mobile n'a pas de verrou, donc ressort tout ça, poignet, piston, pas pour changer en gros, n'est-ce pas? Mais la moyenne va adapter à la carte et la carcasse seulement qu'on doit trouver le numéro d'origine de la usine. Oui, ok, merci. Mais là, c'est ce qu'il a dit. Oui, donc c'est notre conclusion, oui. Qu'adviendrait-il, monsieur le président, pour une arme dont la boîte de couvercle modifiée et les numéros, donc je peux dire la boîte Kelas est la même. Quel numéro retenir? C'était pour la boule qui m'a l'âme. Non, s'il vous plaît. Quand elle a poussé le voile du soldat, mais sa réponse n'a maître au lélé. Et ça l'a mis que pièce, il y a boîte culasse numéro et c'est mis na Oyo et Rali par exemple na couvercle. Donc on retenir Oyo. Toujours, numéro Zali marqué ou gravé sur les corps de l'arbre de la carcasse. Tout bas. Voilà. Ce soir, ouais. Couvercle Nango et Zali, il y a AK-47. Mais il y a mon corps Azali, AK-56. Tout court, Aza non tiré. Aza AK-56 fabriqué par les Chinois. Tout à l'heure, numéro Naye, l'origine, Soki Azali Nango, oui, Ezali. Zéro 09 531. C'est toujours non marqué. Traçabilité exacte. Non marqué, mon général. AK-56. Qui peut détecter que Oezali AK-56 ou AK-57? Non. Ok. Et puis, quelle est la différence entre AK-56 et AK-57 qui est visible par, qui peut être visible par un profane en armurerie? AK-56, tout ça là, si le mot coq, il y a angle. La Kati et Zali n'a pas qu'un triangle. Il y a triangle, oui. La Kati va commis 386. Après, Batier, du pan à la mort à côté 56. C'est-à-dire fabriqué en 1956, AK, oui, fabriqué dans le Chinois. Mais tandis que Oye Zali a AK-47, et Zali AK-47, il a pas écrit Nango parce que vous même il n'a pas beaucoup Nango Awa. Oye, il a pas identifié que Oye et Zali armé, c'est AK-47. Lui, visiblement, la différence n'a pas crosse. Dès que vous allez avoir payé, il crosse terre, ils ont fabriqué dans le pays bon. Oui, le père Azali, dans un système encore, quand on contacte à côté qui va se faire, singe. Ah, vous allez avoir un singe, on va dire, on va dire, tu baïonnettes, tu en es en Goulaï.
Bon, écoute encore. Tout ça concerne la même la deuxième république. Il y a encore des différences sur tout ça. En AK 47, jamais pas à la canasingue. AK 47, il y a pour Kakaka. Où ils arrivent peut-être baïonnettes, il y a peut-être d'origine, il y a bien net. Vous parlez parce que là, ça colle. Ok. Si y a donc, à part numéro 1, est-ce que numéro 1 sous les alliés? Chaque numéro, tu peux savoir qui général, mes alliés. À côté, mon sous ma numéro, mon sous spécialité. Même pour la marquage, je paye la qualité de la découverte. Vous avez comment là? Et là, comment vous avez mis la carte à la paix? Vous avez non marqué. Ça, c'est le numéro d'usine, numéro d'origine, c'est ça. Alors ici, on met le marquage ici. Il n'y en a pas. Oui, et si quand il y a marquage, il y a arme et ça. Les amis numéro, il y a corps, il y a arme, et puis vous n'allez jamais changer à ton tour ici arme. Numéro, il y a votre zokaka, il y a arme, il y a des tokobé taille. Tangela Bango, Tanga, donné numéro et martage, pour bailler, pour causer la distinction là-bas. Arme non marquée. Ok. Je ne vois pas. Oh. Oh. Commencer toujours par code, il y a pour différencier. Donc, vous voyez, il y a des soit armée, il y a armée congolaise, armée rwandaise, ou bien les alliés, il y a la police. Mais quand tu as armée, il y a des alliés, c'est des fois Congo démocratique et forces armées, numéro 38, 30. 483. Cette arme est tracée. On a prélevé ça. Dans le numéro, il y a usine. Il y a moyen de reprendre l'arbre. Il y a une arme qui est contrôlée. S'il vous plaît. La Kissa va vous dire qu'on a fait que le numéro, le marquage, et ça, il y a deux lignes. Ligne à l'Ipolo, la ligne à C. Vous avez quoi la tête? Non, mon général, marquage. Et là, qui c'est qui va bander qui n'a pas erreur? On ne va pas mettre des fois. Dans ce cas, il y a data matrice. Tu vas être content que non, tu bandis, mabé, tu as data matrice avant numéro, ne va quitter la C, va mettre comme bimba. C'est des fois, numéro de l'arme, 38, 30, 483, et à la fin, tu vas être data matrice. Data matrice, c'est la psy en haut, même numéro 1 est Bungi. Mais, surtout qu'on a un scanner, tu as scanné data matrice, ça va nous donner tous ces numéros ici qui étaient marqués. Merci, mon général. Parmi la Bissoyo, les amis, AK 47. Merci pour la correction. Donc, arme Oyo et Zali non marqué. Ce qui te dit tout le monde a numéro Oyo bien, ce qui peut vous permettre de faire la couverture. Il y a arme, pour tout le temps, il y a numéro bien dégagé. Il y a la place Oyo et Sengeli. Oyo et Zala. Est-ce que Zali peut Zali? La zone Oyo et Zali, il y a marquage. Marquage et salinité. Zali n'a pas vide. Zali n'a pas marqué. Numéro, il y a arme. Le limite de la sécurité est la carte de corps et d'armes pour te servir. La Caracas. S'il vous plaît. Oui. J'espère en la matière. Numéro 1, arme, va mon à Kayango, la Polélé. Est-ce que la Polélé est au monde à la tonté? Est-ce que la Polélé est bien été pour la rouille? Ok. Ok. L'Oba, numéro 1, Zali, mais au monde à la bien été pour la rouille. Bon. Si vous voyez, vous voyez, bon temps là, numéro 1, sous ce qui est ça. Pardon? 67-853. Dans le bandé, il y a un préfixe, il y a S. S, lettre S. S, 67,
853, c'est ça? Oui, mon général. La pisane. En congrès. Toujours le marqué, mon général. Général, armée aux alliés, AK-56 tout court, à la tirette, fabriqué par les Chinois, couvert que les alliés a été, couvert que les alliés AK-47, numéro, la cornaille. Congo le tango. Les alliés qui ont fortement rouillé. Azali non marqué, toujours non marqué, dans la zone zone de Naïe de Tampo. Azali marqué, mais encore Naïe, Azali a numéro, mais les alliés déjà fortement rouillé. Attention, que Tongo Louti a aussi quoi, que comment la numéro est mon général. Ils sont invisibles. Les appels, non, d'abord les avocats. Bien, Armand Soso. Merci, mon général. Fabriqué par le RIS, mais couvert par Azali à AK-56. Azali, non marqué. Il n'y a pas le même problème. Na esika identification dans autre na ezalité numéro d'origine attend moko ezalité ezali vite moye pe a dit soko identifier en ezalité mon général mais azali AK-47 non marqué sans numéro non numéro invisible parce qu'il doit toujours y avoir un numéro mais vous n'avez pas publié un chiffre ou une lettre, ça c'est pas complètement pas bon, s'il vous plaît. À part numéro Euyo et Zali. En général, si on se fait Zali, les autres ont manqué à mon côté. On l'a dit, couverte Naïe Zali a été. Bon, la couverte Loa et Zali numéro. Couverte Oyo et Zali numéro, t'es mon général. Numéro Zali dans la couverte Loa. Numéro Zali? Oui, numéro Zali. C'est ça numéro. Pardon, 14 combien? Non, c'est pas l'expert qui parle. Ils sont assez montés. Le numéro, oui. La pièce de manœuvre, mon général. Oui, allez-y. Ça, le numéro de l'origine. Donc, c'est combien? Dès qu'ici, il y a pas une boule, les amis. Excusez, capitaine. Aux autres... C'est pièce de manœuvre. Ok. Mais qu'est-ce que ça fait, moi, l'engagement pour Oyeye Bani, pour Lélé, pour Batlo, pour Bakola, d'ailleurs. Pour porter la technicité à ma capacité. Aux autres, mon général. Pour Batlo, je vais avoir la vérité. Allez-y, numéro la pièce de manœuvre. Alors la préfixe, tango. 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 Tango ou bien T. 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 Mon tango. Tango. Bravo. 41-22. Oui, de la pièce de la mort. Oui, moi, général. Oui, moi, général. Bon, maître, vous avez demandé. Donnez le micro. Nous avons suivi au départ que c'est illisible parce que nous aimerions apporter une
une lumière. Parce que quand nous regardons on regarde les armes l'une après l'autre, je parle d'abord des AK-46 qui a précédé. On vous dit numéro illisible. Le numéro devient illisible, c'est lorsque au départ, le fabricant il a mis le numéro par usage. L'acier, je ne sais pas si c'est un acier, je ne suis pas l'homme de chimie, peut faire disparaître le numéro ou les lettres. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, ça peut arriver que l'on gratte. Ça veut dire qu'on supprime le numéro. Mais ici, quand nous parlons de l'illisible, alors que c'est même la plaque elle-même ne démontre même pas que c'est illisible, parce qu'on pouvait avoir ne serait-ce des chiffres entrecoupés ou des lettres. Donc nous considérons que et la première de l'AK qui a précédé AK-56, le numéro n'est pas seulement illisible, c'est un numéro qui n'existe pas. L'arme est sans numéro. Deuxième point. Allez-y. Je te continue. Allez-y. Oui. En ce qui concerne les AK-47, il faut aussi des distinctions par rapport aux spécifications. Et il y aurait une question. Nous sommes ici avec la matrice qui ne renseigne pas les numéros de série, mais la boîte couvercle qui est des AK-46 qui renseigne que c'est le numéro 1471. Donc, nous sommes avec une voiture Mercedes, mais qui porte les capots d'une voiture Mazda. Il y a un problème qui se pose. Lorsqu'on sort le moteur, on nous a dit, en jargon technique militaire, on nous parle de la pièce de manœuvre. La pièce de manœuvre qui est de Tango Bravo, j'espère que c'est TB, 41-22. La question est la suivante. Est-ce la pièce de manœuvre, le numéro de la pièce de manœuvre, reflète-t-elle le numéro de série? Que marque le fabricant? Ils allaient refléter l'arme et pour ils allaient changer. Non, Yoka, la question de mettre les poules, est-ce que numéro 1 a, ils allaient numérer à fabricant, c'est ça non? Il y a série. Il y a série à fabricant. Quelle série, mais... Le numéro. L'ID, oui, oui, c'est bon, ça. L'ID. Toutes mes excuses, maître. Simplifie un peu les choses. Sauf si la simplification ne vous rejoint pas, veuillez corriger. Nani a-t-il à ta numéro dans ma pièce Mio Fernando? Ça vous va? On commence par là et puis on... Non, non, c'est pas ça. Je vais forcer un peu à Lingala. Allez-y. Ils ont un numéro Nango. Lingalobaki. On a la matrice. Numéro auto coûte la matrice. Né numéro auto coûte à peine. Tous les gens ont un couvercle. Nous fournissons Nango. Na kata mfuniko wana, akuti lisusu, piyesu msusu wazo benga ngo de manevu. Po munduke oti kwa lakisa. Mfuniko na ngo oyo, yalikolo, ezana, nimero msusu. Totali, boate de manevu, piyesu de manevu, ezana nimero msusu. Sikoyo, po, tango totalaki munduki oyo ezalaki marke. Okokuta nimero oyo utaka ebandeli ya mundele, denga sala ka munduki na ye. Kaka numéro 1, ndeko zala na matrice, kaka numéro 1 ndeko zala na couvercle et puis tant qu'on va correspondre numéro ya marquage, okokuta pe numéro 1 est identique parce que munduka no tiko la kisa totali yango. Numéro 1 est à 3 partout. Alors, question na nga eza boy. Po tant qu'on komi na atali munduki wana, a monique numéro ya série est zate. Siko a bimisi muchopo wana. Muchopo ako benga. Ça se comprend. Oui, muchopo ako benga. Pièce de manœuvre. Oui, yama mutu yonanga izaboye. Est-ce que mutopo ya manœuvre numéro 1 ekoti ezalaka ndenga moko na oyo bakoti aka na matrice na oyo bakoti aka na couvercle. Okay. Merci mon général. Na ebandeli na ndaki ke arme ezalaka identique. Ebandeli na couvercle. Numéro ezalaka identique. Numéro Ezali na couvercle, numéro Ezali na pièce de manœuvre, numéro Ezali na corps de l'arme. Monsieur Kota, on peut comment la seconde arme pour Ezali na sans numéro. Mais, total couvercle de Nango, Ezali na numéro.
Totalement peu pièce de manœuvre, peu ils ont un numéro en Europe et en qualité. C'est-à-dire, tu peux changer arme mais la mission est en train de dire que tu as besoin, il y a que ça. C'est-à-dire, numéro un, et qu'on dit, mais ça dit sauter à l'objet qu'il y a un numéro dans une pièce de manœuvre, des numéro, il y a un. Parce que numéro, il y a un, mais ça dit corps de l'âme. Parce que tu vois. On dit, numéro, vous pouvez considérer à moi que c'est un numéro à un. Donc, il faut considérer que l'âme est un numéro. Il faut considérer l'âme est un numéro. Parce que numéro est un numéro qui est un numéro. Il faut que l'on ait un numéro. Parti où il y a un numéro, il faut qu'il faut remplacer. Tous les mousses sont prêts de potisser, tous les pots armés à l'issue et soit bon. Donc, le collègue Koloba a un lot pour lui. Vous avez dit que vous avez la porte sur le lot. Il y a un lot armé au Sika et outil. Ce qui est le but de zone dans la usine, n'est-ce que vous avez dit 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 Oyo Azwaki Mondoki. Est-ce que le col est comme Kokosobo? Tu coquilles sous ce bozon à Toyeba, et Utaki Wapi, Anenini, et puis Nani Nermoto, à Somaki, à Momoto, et Boso, parce que Bisoawa, en tant qu'avocat, souci d'absence d'Ali Toyeba, est-ce que l'arme Oyo et Kokaki Kosala, Soki Moké, dans ma boucle à Pierre, la vie, est-ce que Toyeba, origine, Nani Motari, à Mbassombaki? Et si quand on y a soit qui m'a dit, bien sûr, on a l'identification et l'arme pour l'en avoir un marquage. C'est quand on trouve que l'arme est non marquée. Comment est-ce que tu peux avoir une arme pour l'obtenir une unité sans vouloir bien voir? Ils sont tous les cas qui ont été marqués. Ils sont tous les cas qui ont été marqués. Ils sont non marqués. C'est-à-dire, ils ont la traçabilité à ta mon côté, toi, et tu as une place et tu as une place. Mais quand tu as une place, tu as une place. Mais ils sont non identifiés parce qu'ils sont. Non, question à ce que j'ai. Parce que vous avez dit que vous avez le monde. Et ça, tant que vous avez il y a Aka, Kilas, et vous il y a Aka 56, vous avez Aka 47. Le col est au repos. Vous avez un profane. Vous avez dit que vous êtes expert. Non, les experts sont là. Bon, même peu. Nous sommes des utilisateurs avec des connaissances limitées. Tous les gens ont élastique. Tous les gens ont mon cousin qui a copanza. Yo en tant que la monique est dans la crosse et pour nous tous les monies est dans la crosse. Awa, ici qu'on nous est tourné dans la monique. Est-ce que mon duki ou et qui sala mon salaire à guerre, mais à guerre, n'est pas dans la course au Kama, contre l'eau, construit. Donc ça, mon salaire. Non, c'est très important, monsieur le président. Je sais pourquoi je pense que c'est important. Monsieur le président, nous voulons savoir si c'est vrai dans les rires. Puisque ici, nous sommes aussi intéressés. Oui, parce que nous sommes ici, il ne faudrait pas que nous oublions que les infractions que votre Auguste Cour est en train de conduire, d'après l'accusation, il semble les circonscrire tout autour de la détention illégale d'armes de guerre, des guerres. Et en plus, donc une arme qui doit, non seulement qui doit être des guerres, mais qui doit servir à la guerre. Et puis, ça va, la haute pourra comprendre votre préoccupation. Manakila, c'est à la pièce mobile, c'est à la haute. Na état où ils allaient, est-ce que les coquilles qu'ils allaient utiliser, est-ce que les coquilles qu'ils allaient, armes et salémi pour les salles? Non, c'est pour armer, paix, coubette et coubette. Pour les coquilles, pour salir les osales. Et ça, la kiné, mingi, d'être les coquilles dans l'état où ils allaient. Canon déchiré. Mais ils ont ça, ils sont méga quoi, armés. C'est-à-dire, attends, ils sont méga, ils sont méga colère. Et qu'on m'en appelle, nous tous. C'est pas la question. Excusez-moi, monsieur le président. Par rapport à la. Comprenez-nous, nous ne sommes pas des militaires. C'est vous qui trouvez que ça peut attaquer, prendre dans ce vie. Ce n'est pas nous qui avons trouvé, c'est l'expert qui
Un exemple en gros. J'ai compris pourquoi mon ami a voulu faire sortir cette pierre de manière. Non, est-ce que le numéro est allé oui ou non? Mon général portait un numéro. Mais allez-y, est-ce qu'un numéro 1? Sur la pièce mobile, numéro 61. C'est 61 985. Là, c'est sur la pièce de manœuvre. Tu es ce qu'on a couvert de naïf. D'abord, couvert de la lettre, et après, ça va dire bravo, Alpha 9054. Vous vous rendez compte que, est dans la numéro à où? Est dans la numéro à pièce de manœuvre? Et qu'on qualité? Pour vous dire que non, ce sont des pièces qui sont remplaçables, même les détenteurs, avec ça la manigance, ils peuvent prendre ça, ils jettent ça, ils cherchent être couverts de tout ça, ils le remplacent carrément. Ce qui peut être la mounou qui a oua. Donc nous avons devant trois numéros distincts, différents. Il y a un mot dans le basé que vous soyez numéro, vous allez répit dans la zone de marquage qui est bien déterminée.
sur le corps de l'arme Saratas. Ok. Oui, tandis que la pièce Moussoussoana est allée remplaçable et coquille pour contenir un numéro différent. Mais la Moussala n'a pas beaucoup identifié arme par son numéro de la carcasse. Oui, moi je vais. D'accord. Vous pouvez les remonter, moi je vais. Remonter là. Remonter. Parce que quand le marquage est là, la traçabilité est aisée. Quand il n'y a pas de marquage, ça crée des problèmes. La partie saisie n'a pas de. Adressé aux experts, est-il autorisé aux forces de l'armée de la République, aux forces armées, pardon, de la République démocratique du Congo et aux policiers d'utiliser les armes non marquées? Ça, c'est de un. De deux, si l'expert peut nous dire ou peuvent nous dire s'ils ont eu déjà à être en contact avec les armes que les rebelles utilisent. Et les rebelles... Si je peux finir l'idée, votre honneur, c'est-à-dire, il peut se faire que les forces régulières puissent saisir lors d'une bataille des armes utilisées par les rebelles ou des milices. Et ces milices ou ces rebelles utilisent quel genre d'armes, marquées ou non marquées? Identifier par arme ce qu'ils allaient marquer ou bien non marquer. Mais ni tout le monde de Konanga Zali pour tout Nangaïwana. Je suis là pour qui correspond à l'étranger. Parce qu'ils ont une mission pour les gens qui ont été marqués. Donc, il y a un peu de sa réponse pour moi. Et sa réponse, en tant qu'expert, en tant qu'expert. Est-ce que aussi au Koutani Nava arme pour première préoccupation? Deuxième préoccupation, l'arme qu'on va utiliser, marqué ou non marqué? Ils ont non marqué, et nous sommes marqués dans la parole, parce que nous avons dit ça. Donc, nous avons dit que l'arme est le plus important, parce que nous avons déchiré. Ils ont dit que l'arme est parmi eux, parce que nous avons défense, parce que nous avons dit que l'arme est après, ils sont tombés dans la parole, ils sont tombés dans la parole, ils sont tombés dans la. Policier d'utiliser les armes non marquées. En d'autres termes, est-ce qu'il peut y arriver que les forces armées et les policiers utilisent des armes non marquées? Mais quand il y a un cannabis, tu peux utiliser armes et des armes non marquées. C'est pour cela qu'il va tirer la vie sur le serveur central pour la traçabilité. Si vous sortez au monde, vous avez une arme et des armes non marquées, c'est-à-dire que vous avez déjà suspect. Il faut qu'on kangaye, qu'on identifie les armes qui ont été en bois. Puis, il y a des armes qui ont été en bois. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui ont été en bois. C'est-à-dire que les armes sur la République, ils sont les armes marquées, c'est des pas, c'est des peines. Là, ils ont été ministères et intérieurs. Okay. Merci beaucoup, votre honneur. Je voulais savoir, je suis tenté au soir, je voulais savoir si. La numérotation. Tous les numéros des armes n'ont pas par hasard un dénominateur commun. Comme par exemple le nombre des chiffres ou le nombre des lettres. Est-ce que c'est le nombre des chiffres varie ou ils sont les mêmes pour toutes les armes? Est-ce qu'ils sont toujours à 5, à 10, à 15? Il y a combien de lettres? Est-ce que toute la numérotation ou la codification n'a pas au moins un dénominateur commun? Voilà. Une dernière côté. Vous allez dans un pays et bien vous allez vous fabriquer. Par exemple, vous allez dans AK-47 et Zaliwa. Donc AK-47 et Zaliwa pour la RIS. Au moment où vous allez dans un préfixe, peut-être vous allez bravo, vous allez soto, tango, après vous allez bravo, vous allez faire 4 chiffres. Bon. Donc si vous allez voir, vous allez faire 4 chiffres. Mais pour les Chinois, vous allez faire un arme qui joue au jour, vous allez faire un arme. Pourquoi peut-être que vous avez 6 chiffres. Même 8 chiffres, vous avez un mot pour la chinois, que dans le préfixe, préfixe des alités. Il dit, vous avez 56,
ou bien tiré 1, 56 tiré 2, 56 tout court. Pour la différencier, c'est long. Dengue ba ne ko bazale ko sala bi dou yango. Aka ici et le bisa. Prenons l'exemple des armes russes. Est-ce qu'on peut avoir trois AK-47 avec un modèle de numérotation différent? C'est que AK-47 russe avec une arme qui a 7 chiffres et une autre qui a 3 chiffres. C'est possible ça? Et si c'est possible, comment il explique? Parce qu'il venait d'identifier trois armes ici, AK-56. Mais il y a deux pour lesquels il a donné 5 chiffres et d'autres il a donné 7. Comment ça s'explique? Merci pour la parole. Pour l'employer dans le cas où là, où est-ce que nous avons la liste, abandonner le préfixe qui vous trouve, avec suivi dans 4 lettres. Si dans l'usine industrie fabricant a checké 3 chiffres, mais pendant que l'arme, il faut les marquage, c'est obligatoire que l'arme soit dans la 4 chiffres. Et là, le marqueur va obligé de mettre les chiffres 0 devant les 3 chiffres qui proviennent de l'usine, parce qu'avec les 4 numéros, c'est le serveur à recevoir, va coordonner on a au compte de la mémorisation du serveur central. Car il y a aussi de 4 chiffres et les préfixes. Pour les Russes, ne dépassez jamais 4 lettres. Et pour les Chinois, c'est aller 5, 6 ou 8 chiffres. Autant pour l'armée, autant pour la personne. Mais nous avons encore une question. Oui, monsieur le président, nous voudrions savoir, vous êtes ici, des CDFA, Congo démocratique, forces armées, comme il a dit, activité. On ne sait pas en quelle année, parce que ces armes peuvent provenir de n'importe où, vous avez compris, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc on ne sait pas, ce sont des armes à être utilisées antérieurement. Antérieurement. Donc nous pouvons savoir maintenant. S'il vous plaît, maître, on est dans la chambre et que vous percutez, elle sort, on est là. Oui, mais monsieur le président, excusez-moi, si vous avez du mal à viser avec, vous pouvez quand même convenir avec moi sans être expert. On aurait du mal. À vous, excusez-moi, c'est pas un problème. Mon préoccupation, c'est quand tester. On a parlé les pieds dans les histoires qui risquent de nous égarer de la bonne route. D'accord. C'est dans votre intérêt d'ailleurs. Pour rentrer dans la bonne route. C'est vous m'en dites en gros et les portails. Merci, monsieur le président. Donc, Marso, Pays, Goma, Wapi, on va marquer toutes les armes aux armes Bokoya. Les armes ont été acquises avant 2014. Est-ce qu'on peut toujours considérer que c'est traçable? Le marquage de Salemi dans la arme au Yuzali, dans le patrimoine armé, ou bien toutes les armes. Toutes les armes. Même au Yabasok 1956. Oui, et ça va la police. Et ça, les mines, donc en 2014, va tenir déjà d'espérer en marquage. Oui. Et vous pouvez faire un numéro de AK-47. Ok. Yeah. Si vous avez talent à Kati, ni des pièces de manœuvre, oui. Pièces mobiles, tout ça, s'il n'y a pas un numéro qui peut l'identifier. Bien. Ok. Pardon? Numéro et arme Oyo. La pièce de manœuvre, bien excusé. Abandi la précise. Uniforme. Golf 89-14. Promoco et Tiscu et Zalité. Une question. Est-ce que un son que Atia numéro, arme pour bimanaïger une son numéro? Bon, général, à taper du saut bateau, chaque moto, on s'en va faire un bout de la bouche, on a un coup de monnaie. Non, non, non.
Nous savons, nous pouvons présumer que vous n'avez pas moins de 9 ans dans quatre armées, n'est-ce pas? Ok, pas moins de 9 ans. Dans quatre dans un magasin d'armement, est-ce que les Alakas abandonnent qu'il y a malade ou même abandonnent qui a déclassé vers les Alakas? Comment utiliser dans des unités de nos unités de forces armées, les armes aux alliés opérationnelles, les alliés déjà? Non, s'il vous plaît. Malam. Vous n'avez pas bien compris la question. Prenons un droit, une panne, n'est-ce pas? Bon, ceux qui arment, même une arme marquée, et une panne, canon déchiré, tout ça, etc., etc., micro, c'est boucani. Arme et Ecofanda, le magasin, triage. Ecofanda, triage. Là, vous êtes à la base logistique centrale. Vous parlez de la base logistique centrale, mais dans l'unité Ecofanda, le magasin d'armement, est-ce que Ecofanda, qui vend le magasin d'armement, avant que l'unité s'adresse à la base logistique pour remise de ses armes afin que. Classe 2 allait pour la réparation, classe 3 ils allaient pour la déclasse, pour déclasser. Là, les armes de révolution. Il y a le PVR en français qui a des armes qui tendent quatre pièces. Là, la haute cour informe les parties que ce sont des bombes. Et en raison de leur dangerosité, la haute cour les a fait garder, à la base logistique, moyennant un document. C'est ainsi qu'elles ne sont pas ici parce qu'avec la chaleur, elles sont très bonnes. Avec la chaleur, elles peuvent éclater tout le monde. On va dans l'au-delà sans avoir le temps de se confesser. Donc, le CV renseigne aussi qu'il y a des chargeurs vides, 5 pièces chargeurs vides. Est-ce qu'il y en a la chargeur? Chargeur vide. On termine d'abord cette histoire. Ça concerne les armes, ça concerne les armes menées de passer. C'est une question relative au nombre. Ça donne 10 armes. De toute façon, constatons qu'il y a 6. Nous avons constaté qu'il y a 6. Merci. Voilà. Marquage, nous sommes à la arme. Si vous êtes chercheur, vous allez en courrier, vous pouvez vous voir que les animaux. Merci, monsieur le président. Donc, il y a un marqué sur la chargeur T. Je vais vous faire mon côté. La question est celle de savoir si les experts peuvent nous éclairer que sur le fait que ces armes sont bel et bien des armes qui vont avec ces chargeurs. Effectivement, chargeurs nous sommes les alliés à AK et les alliés à munitions à FAK-39. Suite au munitions FAK-39, c'est-à-dire calibre Nango Yaba. Armes nous sommes les alliés à sans distinction pour le pays pour l'envoyer. Et Zalika comme ça, la FA 7-60D, FA 39, Colombo-Lakaka 7-60D, FA 54D au PKR. Donc, on va chercher une nion sur Zalika pour l'envoyer. Aka, nion sur Zalika. Et Zalika, sans problème. Nous faisons une demande de bal. Nous faisons une demande de bal. Nous faisons une demande. Merci. En général, à ce chargeur, ils ont fonctionné, transporter des munitions et autres. Ressort naïe, on a poussé une munition pour émettre à ce sens.
C'est-à-dire, les gens qui ont une mission, mais à cause de tout à côté de la carte, il y a armée, la chambre du canon, plaqué, armée, à combattre ça, à combattre ça, et à combattre ça, et à combattre ça, et à combattre ça, AK-47, il y a un chargeur. AK-56, il y a un chargeur. C'est-à-dire que ça n'est pas. Il faut identifier la chargeur de son père et son avis. Non, on a AK-56, on a AK-47. C'est-à-dire arme et chargeur. Et quand on parle de la chargeur de son père, sans problème, parce qu'il y a 56, à côté de 47. Il y a 47, à côté de 56, c'est comme ça. Donc, pour pas amener le calibre. Chargeur, il y a AK-47. Oui. Et Koki Koko, tu as AK-56. Oui. Et vice versa. Oui. Koki Koko, les canaux, même pas ceux qui va te faire tomber. Tu as AK-47, tu as AK-56, ton équipe en haut, la commande. S'il vous plaît. AK. Origine de Mouzani. Marque AK. Donc, les alliés, origine à Zalaki, le premier fabricant, il y a AK, armée de feu, automatique. Armée d'assaut. Armée d'assaut, oui. Et après ça, qui combo en mode AK. AK, on est le dit André Kalashnikov. Des combos là-bas. Ok. Oui. Maintenant, la 56, que vous dites de fabrication chinoise, n'est-ce pas la version chinoise de AK? 6. Nathan, on va t'aider. Oui, licence. Et ça, licence. Voilà. Donc, bah, chinois, bah, son licence, n'a pas risque. Si vous avez un chinois, vous avez fabriqué une armée. AK, vous avez un nom de AK. M81, quand la police, vous avez un nom de M81, M90, toujours quitté. M70. Mais c'est la même licence oui? Russe. Ok. C'est une licence de l'armée russe AK. Oui. Bon. À part bien sûr quelques particularités, Oyo, Montassomi, licence, Atié, Pepo et Kesselerosu, est-ce que la plupart des pièces ne sont pas identiques? Oui. Comme AK-56. Comme si AK-56, encore dans la carte, il y a AK-47. Poignée de pistolet, à cause de il y a peur, il y a Oyo. Poignée de pistolet, en Oyo. Ma coquille comme vous l'avez battu en AK-56. A Zupé à AK-56, oui. Battu en A. Pour la coordination qui est bébé, ma coquille pour changer, pour qui pour changer, il y a une guéroie. Ma pièce de manœuvre, pièce de manœuvre, ma coquille pour jouer, la condition on appelle à Betty. Ok. Tout est si simple. Et de tous les experts qui ont défilé par devant vous, permettez-moi de jeter le fleur. Nos deux vaillants militaires, ils sont effectivement experts. Ils ont fait la distinction dans leurs explications. Dans ses dires, il soutient ceci. Même si on lui montre un chargeur, il peut vous dire ça c'est chargeur AK-47. Ça c'est chargeur AK-56. On peut prendre la poignée qu'il a appelée, je ne sais pas moi, poignée de pistolet. Poignée de pistolet, oui. Même si on les change, même si on les change, en les regardant, il sera non. Ça, c'est une poignée de AK-46, mais adaptée à AK-47. Voilà. Ils sont même d'accord avec moi. Ils bougent les têtes pour dire que nous sommes dans le port. Maintenant, la question, parce qu'ils sont experts, nous, le PV, parle des 5 chargeurs. Monsieur le Président, j'aimerais que vous leur dites de répondre comme vous l'avez dit autrefois. Répondez comme des militaires. Dites à la défense, c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ça un militaire. Il a les chargeurs. Le PV nous parle des 5 chargeurs vides AK-47. Nous ne sommes pas dans la discussion de savoir est-ce que c'est AK peut aller ici, c'est AK peut aller de l'autre côté. Nous sommes dans les objets saisis. Et nous sommes dans l'état de l'arme. C'est 47 que les experts nous disent. Les 5 chargeurs par devant eux. Sont-ils 47?
sont-ils 56 ou autres André Karafikol qui existent? Voilà, il faut répondre à la question. Il y a des distinctions pour distinguer la harpe. On a dit qu'il y a AK-47. Donc, il y a des malades. Alors, il y a un peu de temps. Il y a un peu de AK-47, chargeur. Chargeur de AK-47. Il y a un peu de temps. Bakelit, Izalaka, Ye Oyo, Na Oyo. Il y a Pisani Mukongo. Azalaka 200, qui passe dans la 4 à caisse. Oezali AK-56, Azala Mukongo. Mukongo, il y a l'Orani. Donc, Ozela Oyo, il y a 4-4 Oyo. Ozela 4-4 Oyo. Azala a voté. Quelle différence Oezali? Mais na Oyo Nyons et Kokota. Et ma sassi, il y a fraternel. Et qu'on fasse d'aou, et qu'on fasse d'aou, et qu'on fasse d'aou, ils ont un problème de mon côté. Et qu'on différencie l'armée parce qu'ils ont un bon chargeur. Merci. C'est pour les PKM. Munition, ils ont pour la PKM. C'est 60. Ezali lolenge moko ndenge totali awa poto olingaki totala tomona soki ya solo ezali na mélange ya munition mosusu mais awa ezali kaka munition ya 762x54 mpona PKM. Avec les PKM. Et l'honorable rapporteur a posé la question de savoir si ils ont la chaîne. Ils non, non, non. Pas si ils ont la carte. Puisque nous savons. Sauf qu'ils tiennent, ils ont la carte. Alors, donc, ceux qui supposent qu'on utilise les PKM avec ces chaînes-là. Alors, on voulait poser la question. Est-ce qu'ils ont rappelé la boîte hein? Sans boîte. Et vous voyez qu'on sache. Sans chaîne, sans boîte. Ok, merci. C'est-à-dire, chaîne Oyo, tout bien au maillon, et ça a la 4 à box. Box est un moment là, à quoi tu sais, soit qui passe la salle, tu as ici l'émission à Bissot, et ça a un nombre de 100 coups, les maillons, et de 200. Quand tu as ici, tu as la 4 à box. La box, tu as la 2 box. Vous avez une boxe offensive, une défensive. Boxe offensive, vous allez prendre la consacre dans le mouvement. Boxe défensive, vous allez prendre la côté dans la carte, dans le boulot, dans tous les visuliers. Vous allez poser la mongou, dans le boulot. Encore ici, vous voyez qui va bien. Si Koyo, na Oyo, Nyonso, Diso, la va à l'autre, tout le monde a un, tout le monde a un boxe, pour tout le monde a un boxe. Ok. Donc, tu peux utiliser la boxe, tout comme tu peux utiliser la boxe, c'était pour la film de Rambo. Donc, tu peux la chaîne. Maillot en grand, nion sur la descente, la tire en bien, bien à côté de la boudou qui est là. Dans le cas advance, sans boxe. Tant que tu peux utiliser la boxe en grand, et ça y est, tant que tu as un temps pour le coup, le monde a un peu de temps pour le coup, le monde a une émission pour lier et pour mon niveau, il est fortement relié. Et quand il a salité pour la prochaine audience, nous allons continuer par où, par là où nous avons la dernière audience passée. Alors, je pense que nous pouvons nous arrêter ici, les esprits sont fatigués. Il n'y a plus rien. La séance est levée. Pardon! Vous!
et c'est le président de la haute cour militaire. L'audience de ce jour suspendue. À vous, votre général. À vous.